demande au Seigneur de te libérer. Voilà. Nous allons rentrer dans une phase très importante de délivrance. Nous allons rentrer dans une phase très importante de la délivrance. Je vais voir tout le monde en train de parler. D'abord, on va se répentir de tout ce que nous allons faire. Tout. Qui peut maintenant au diable d'avoir raison sur nous. Et nous allons prier pour que la grâce de Dieu nous visite. Je vais voir tout le monde en train de prier. Je vois tout le monde en train de prier. Je vois tout le monde en train de prier. Je vois tout le monde en train de prier. C'est cette malédiction là qui fait que par moment, les choses ne vont pas dans ta vie. Tu t'es peut-être une fois indiqué contre un homme de Dieu. Tu as mal parlé à un serviteur de Dieu. Ça a même attiré condamnation sur toi. Vous levez la main. Nous commençons à prier. Je vois tout le monde debout. Tout le monde debout. Alléluia. Priez. Voilà. Tout à l'heure, nous allons rentrer dans une phase de délivrance importante. Commencez. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu. Thank you.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Thank you.
Thank you.
Christ. Et comment ça se produit? Comment ça se manifeste? Oui, comment ils font? Ils font avec toi? Comment ils font? Oui, les paroles, ils disent quoi? Des méchantes paroles. Donc ils te disent quoi? Ils te font quoi? Comme quoi? À ta mère? Plus qu'elle travaille, c'est ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Comment? Hein? Comment ils ont fait? Montre. Montre comment ils ont fait. Montre comment ils ont fait. Mais montre, moi, montre. Oui, mais montre, montre. Montre-moi comment ça s'est produit. Vas-y, vas-y. Hein? Comment c'est passé? Oui, et comment ils ont fait? Oui. Et puis quoi? C'était pourquoi? Pour qu'il y ait marche. Pour qu'il y ait marche. Et donc quand ils ont mordu le pied, il y a eu quoi qui est rentré? Elle ne pouvait plus marcher. Pouvait plus marcher. C'est un béné que vous avez mis dans son pied? Voilà, c'était pourquoi? Pour ne plus qu'elle marche, pour la paralyse, c'est ça? Hein? Oui. Vous avez bougé toute sa vie?
Et vous avez fait quoi par ça? Il y a eu quoi, quoi, quoi? Vous avez fait envoyer son mari en Côte d'Ivoire. En quoi faisant? Vous avez fait comment? Vous l'avez laissé comment? Comment vous avez procédé? Vous avez des disputes. Vous avez créé quoi? Vous avez créé des disputes? En quoi faisant? Explique-moi comment c'est passé. Vous êtes rentré dans le cœur, dans le corps du mari. Créer des disputes, c'est ça? C'est toi qui l'as fait, tu mis le son corps, c'est ça? Et puis, ça crée des disputes. Et donc, vous êtes sur le point d'achever votre maman, c'est ça? Ça te plaît de voir ta maman pour ça? Tu veux qu'elle soit de nouveau? Amen, amen. De ta souffrance cette nuit. Je sens que Thank you.
promotion passe sur Paris. Thank you.
Thank you.
Lâche-la. 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 Thank you.
frapper, oh merci. Je vais essayer de vous faire grâce au Seigneur. Je ne peux pas grâce au Seigneur pour les miracles que vous avez fait. Qui se passe dans cette salle? Laisse-la, regarde.
Thank you.
Merci pour l'atmosphère de Saint-Esprit. Merci pour la grâce de Saint-Esprit. Ouvrez les yeux, suivez tous les faits et gestes. Quand la personne est dans une position bizarre, arrangez la personne. Si vous aspirez à le désir de voir les gens délivrés, Dieu vous donnera cette onction. L'onction ne veut pas comme ça, l'onction ça se désire. C'est ça que la Bible dit, aspirez aux dons. Voilà, le don ne veut pas comme ça, tu donnes ça ce que tu veux. Voilà, et puis ça va être beaucoup de compassion d'amour. Voilà, et voit une vie, les gens vont être délivrés, tu as ce tabou là. Tu t'impliques des dents, tu chasses les démons, tu vas voir l'onction venir se poser sur toi. C'est comme ça l'onction. Amen. Cette rencontre, elle est très importante pour toi. Elle est importante pour chacun d'entre nous. Il s'agit de notre destinée. À un moment donné, de ta vie, tu ne sais même plus où tu t'en vas. Parce que ta vie a même sorti de route. Voilà. C'est-à-dire que tu as quitté le chemin. Et tu te retrouves quelque part. Ton GPS ne sait même plus, ça prend même plus la direction spirituelle. J'allais tout droit vers ta destinée. Quelque chose t'a percuté. Tu es peut-être dans un ravin spirituel. Tu ne sais même plus où mettre ta tête. Il faut que tu répares sur le chemin. Et ça, c'est très important. Amen. Alléluia. Lève la main. Et chacun des prix. Dis au Seigneur de le repositionner sur le chemin de sa destinée. Parle. Voilà.